L'ingénierie écologique peut se définir rapidement comme étant l'action par et ou pour le vivant. C'est un des résultats d'une réflexion menée sur le long terme par IRSTEA et qui a débouché notamment sur un livre sur l'ingénierie écologique en 2014, dans lequel différents auteurs de différents instituts euh, auxquels différents auteurs de différents instituts ont contribué. Plus exactement, l'ingénierie écologique peut se définir comme un travail de conception. Qui trouve sa place naturelle au milieu d'un travail plutôt de construction fait par le génie écologique et d'un travail de production de connaissances fait par l'écologie ingénériale. Dans cette présentation, nous allons réunir ensemble l'ingénierie écologique et le génie écologique comme faisant partie de la sphère de l'action avec ses différentes étapes. Et nous allons réfléchir au lien entre cette sphère de l'action et la sphère de la connaissance dont fait partie l'écologie ingénériale. Et ce qui va nous intéresser plus précisément, c'est quel type d'interface peut on envisager entre la sphère de l'action et la sphère de la connaissance et aussi quels apports l'écologie académique peut proposer à l'ingénierie écologique dans le cadre de ces interfaces quand on réfléchit quand on réfléchit aux interfaces entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'action la première conception intuitive qui vient à l'esprit est celle d'une interface automatique dans cette interface, il suffit de produire de la connaissance et de la publier dans des, dans des journaux scientifiques pour que l'action et la société, de manière plus générale, s'en emparent et les appliquent. Donc, c'est ce qu'on va appeler une interface automatique, dans laquelle euh, il n'y a pas vraiment de travail à faire à l'interface entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'action. Euh, et euh, et c'est une interface qui a été historiquement dominante, notamment aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une interface qui est souvent associée à la primauté accordée aux théories et aux concepts dans le cadre académique. Pourtant, nous voudrions ici insister sur le fait que l'écologie académique a plus à proposer à l'ingénierie écologique que simplement des théories et des concepts dans le cadre d'autres interfaces que cette interface automatique. La première chose que l'écologie académique peut proposer à l'ingénierie écologique, ce sont des théories qui sont testées dans les conditions de la gestion. Cela revient à définir plus précisément le domaine de validité des théories écologiques dans des termes que l'ingénieur écologue peut s'approprier facilement. Par exemple, euh, cela revient à mettre en place des expérimentations multicites où les expériences ou les traitements des expériences, par exemple, sont des types de gestion pratiqués par l'ingénieur écologue. Un deuxième type d'apport de l'écologie académique à l'ingénierie écologique, ce sont des synthèses des résultats de la recherche ou des connaissances académiques à destination euh, des ingénieurs écologues. C'est assez proche du point précédent, mais cette fois-ci, on va faire des résumés de plusieurs études sur le même sujet pour transférer à l'ingénieur écologue, à écologue finalement, le, la, le résumé des connaissances à un instant donné. Et le troisième apport de l'écologie académique à l'ingénierie écologique, ce sont les chercheurs eux-mêmes euh, qui peuvent être mobilisés dans le cadre de l'ingénierie écologique comme interprètes et comme conseillers de l'ingénieur écologue pour trier parmi les connaissances disponibles euh, celles qui sont utiles pour le projet d'ingénierie écologique dont il est question ces trois apports de l'écologie académique à l'ingénierie écologique trouvent leur place naturelle dans l'interface qu'on va appeler l'interface de transfert et traduction qui est aussi cette interface une interface unidirectionnelle qui va de la sphère des connaissances vers la sphère de l'action mais qui cette fois-ci, contrairement à l'interface automatique, nécessite un gros travail de tri et d'adaptation à l'interface. Ceci étant, l'écologie académique a plus à proposer à l'ingénierie écologique, et notamment, elle peut être mobilisée en tant que processus de recherche dans le cadre du processus de gestion lui-même. Euh, du côté euh, de l'ingénieur écologue, cela revient à concevoir sa gestion non pas comme une solution qui va forcément fonctionner, mais comme une hypothèse à tester, une solution potentielle qu'on va tester dans le cadre du processus de gestion. Et du côté de la recherche, ça veut dire que la recherche est appelée par l'ingénieur écologue pour évaluer les résultats de cette gestion, mais aussi pour étudier les mécanismes sous-jacents euh, au processus de gestion lui-même. Un dernier apport de l'écologie académique à l'ingénierie écologique, ce sont les outils de suivi et d'interprétation des données qui sont développés par l'écologie académique et qui peuvent être extrêmement utiles pour l'ingénieur écologue, notamment pour évaluer le résultat de sa gestion. Ces deux apports de l'écologie académique à l'ingénierie écologique trouvent leur place dans une autre type d'interface que nous allons baptiser l'interface recherche-action, qui est une interface bidirectionnelle entre la sphère de l'action et la sphère de la connaissance qui va à la fois de l'action vers la connaissance et de la connaissance vers l'action, avec notamment une production de, la, de connaissances dans le cadre de, de l'action elle-même. En synthèse, j'ai voulu insister à travers cette présentation sur le fait que l'écologie académique a une variété d'apports à proposer à l'ingénierie écologique, et pas uniquement euh, la fourniture de concepts et de théories à l'ingénierie écologique. Nous avons distingué dans cette présentation six grands types d'apports. Bien entendu, il y en a d'autres que ces six grands types. Et ces six grands types d'apports peuvent être ventilés suivant qu'ils sont produits hors du processus de gestion d'ingénierie écologique ou dans le processus de gestion lui-même. En lien avec ces différents apports de l'écologie académique, nous avons différents types d'interfaces dans lesquelles ces différents apports trouvent assez naturellement leur place. Nous avons ici listé donc, trois grands types d'interfaces. Et en sous-jacent à mon propos, euh, l'idée euh, euh, était que l'interface automatique entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'action n'est pas du tout automatique qu'on a besoin très souvent d'un travail à cette interface, que ce soit dans l'interface de transfert et traduction ou dans l'interface de recherche-action. En plus de ces trois grands types d'interfaces, on peut en concevoir d'autres. Par exemple, un quatrième type d'interface est une interface qu'on va qualifier d'interface sur commande, dans laquelle euh, la sphère de l'action va demander à la sphère de la connaissance de produire de nouvelles connaissances euh, dans des cas euh, d'ingénierie écologique où on a besoin de ces nouvelles connaissances. Un autre point sur lequel je voudrais insister en conclusion, c'est que dans ces différentes interfaces, on a aussi très souvent besoin de considérer des connaissances d'un autre type que les connaissances académiques, notamment des connaissances que je qualifierais d'expérientielles, qui sont des connaissances d'experts, des connaissances empiriques non passées euh, par euh, la sphère de l'académie, euh, qui peuvent être extrêmement utiles pour euh, notamment pour proposer euh, de nouvelles gestions d'ingénierie écologique. Et puis en conclusion, euh, finalement, euh, on peut concevoir la gestion dans un cadre euh, qui s'appelle le cadre de la gestion adaptative, qui est une forme de vision de la gestion euh, qui permet d'intégrer assez, assez naturellement les différents types d'interfaces entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'action. Donc, cette gestion adaptative peut être qualifiée d'une espèce de méta-interface qui va permettre à l'ingénieur écologue de mobiliser, suivant ses besoins, euh, les différents types d'interfaces dans le cadre de sa gestion.